Voilà, chers compatriotes, aujourd'hui, nous allons parler seulement de deux points plus un bonus. C'est-à-dire, nous allons commencer par décortiquer le discours, le compte rendu du directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, que nous considérons comme un virus auprès de Félix Tshisekedi. Tant qu'il est là, à côté de Félix Tshisekedi, ben, c'est un virus, rien ne marchera. Voilà, nous nous excusons pour le terme, mais ben, nous avons créé un néologisme. Donc, camérovirus, voilà. Alors ensuite, nous allons lorgner vers l'audition qu'a subi Zoé Kabila et Kabila lui-même. Les deux ont subi des auditions du Conseil national de sécurité. Et nous allons vous en montrer une preuve en vidéo. Donc, et nos compatriotes de l'information à la mode de chez nous, ça veut dire les parlementaires debout, ils tiennent en main des documents qu'ils sont en train de lire, ou plutôt des journaux, des informations des journaux qu'ils sont en train de lire. Et là-dessus figure l'information sur l'audition de Zoé Kabila et de Joseph Kabila. Voilà. Nous allons vous faire écouter ensuite ce compte rendu de Vital Kamerhe qui est déjà mauvais par sa forme. Et donc, nous supposons que le contenu n'est pas tout celui dont on a discuté. Les informations que nous avons eues en coulisses font état d'autres points dont ils ont discuté. Donc, l'ambiance n'était pas fraternelle, comme il est en train de le dire. Là, Félix Tshisekedi était en colère à cause de tout ce qui se passe. Voilà. Et il y a des bruits qui courent selon lesquels Félix Tshisekedi se serait excusé, mais c'est contraire à ce qui est en train de se passer maintenant. Et il s'excusait, il se serait excusé d'avoir interpellé ses membres de famille. C'est faux, et ses proches, c'est faux. Parce qu'en ce net moment, Zoé Kabila a été auditionné par le Conseil national de sécurité, y compris lui-même, Joseph Kabila. Voilà. Écoutons le discours, non, le compte rendu, après quoi nous décortiquons un peu. Compte rendu de la rencontre entre les deux hautes personnalités de la coalition CACH-FCC, à savoir le président de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président de la République, son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange. Il s'est tenu comme convenu entre les deux hautes personnalités, signataires de l'accord de coalition CACH-FCC, ce jeudi 12 mars 2020, à la cité de l'Ancelée, à Kinshasa, une importante rencontre. Des points importants étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir 1. Évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coalition CACH-FCC. 2. Dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition. S'agissant du premier point relatif à l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coalition CACH-FCC, les deux hautes personnalités ont constaté qu'il y avait réellement un malaise dans le fonctionnement de la coalition, malaise dû essentiellement aux malentendus, à certains agissements, à certaines sorties médiatiques inappropriées et aux incidents survenus à l'égard des personnalités FCC à certains postes frontaliers, tout en regrettant ce comportement.
Les deux autres personnalités ont dissipé l'entendu et pris l'engagement à mettre tout en œuvre pour que ce genre d'agissement déploré ne se reproduise plus. Les deux personnalités ont également regretté le décès du général-major Delphin Kayimbi et attendent avec diligence les conclusions de l'enquête en cours pour élucider les circonstances de la surveillance de ces malheureux événements. Les deux personnalités ont enfin, dans le cadre de l'évaluation de l'accord, abordé la question de la nomination des mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État et convenu de privilégier les critères de compétence et d'intégrité morale à celui d'appartenance politique, pour ainsi éviter la politisation du portefeuille de l'État, outil important pour la gouvernance du pays. Deux, en ce qui concerne le deuxième point relatif aux dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition, pour éviter que ce genre de désagréments ne se reproduisent dans l'avenir, les deux hautes personnalités invitent les acteurs politiques des deux regroupements politiques, CASH et FCC, à œuvrer dans l'esprit d'entente et de cohésion pour contribuer à une bonne mise en œuvre de l'accord et par ricochet à la paix et la stabilité, ingrédients essentiels pour la bonne marche du pays. Par ailleurs, les deux personnalités ont décidé de mettre à un niveau élevé un cadre permanent de concertation. Pour terminer, les deux hautes personnalités ont décidé de mener des réflexions dans le cadre de la coalition pour la réforme de la loi électorale et de la CENI. Commencée à 15h, cette importante rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance empreinte de convivialité et de respect mutuel a pris fin à 18h30. Fait à Kinshasa, Vital Kamerhe Lwakanyegi-Nkingi, directeur du cabinet de chef de l'État, je vous remercie. Bandeko na biso babolingo. Donc, bon, mani bimo koke partout. Bisekanyon so Vital Kamerhe Azokende, donc il y a toujours des gaffes. Yangwana tobenge Kamerovirus. Yé azali porte-parole te ya présidence. Et puis ba benga kayete. Pourquoi ba bengi ye mokolo wana a participer à l'issue na ba réunion te? Azui discours wana. Donc compte rendu wana. Azola ki sa ke président Félix Tshisekedi azali légal ndenge mokona na sénateur à vie, à lobby les deux hautes personnalités. Ah, donc, na moutou yamboka na biso tozana na deux hautes personnalités. C'est ça que ça veut dire. Mais il est juste sénateur à vie, c'est tout. Et puis, l'autorité morale du FCC, ben, ce n'est pas reconnu officiellement. Le FCC n'est pas un parti politique. Et puis, on ne peut même pas parler de parti politique parce que le président de la République qui est là, il est au-dessus des partis politiques. Voilà. Il publie le compte rendu alors qu'il y a des organes de presse à la présidence. Et voilà, ça c'est déjà un couac. Et ce qu'il dit n'est pas du tout sincère. N'est pas du tout sincère. Ils se sont presque chamaillés. Il s'est demandé pourquoi il y avait des cabales contre lui pour le tuer, pourquoi c'est les ministres de Kabila, ça veut dire du FCC, ne l'obéissaient pas. Et tout ça, chers compatriotes. Donc, tant que le Camerovirus est là,
Donc rien ne marchera, rien ne marchera. Et ça, nous n'allons cesser de le répéter, chers compatriotes. Voilà. À présent, nous vous présentons un média sur le malaise qu'il y a à l'UDPS. Voilà, contrairement à ce qu'on pensait, le combattant qui a été brûlé ressemble tout simplement à Augustin Kabouya, mais ce n'était pas Augustin Kabouya. Donc, nous allons vous lire cette information et vous la présenter comme ça, vous êtes au courant. Et vous savez que ce malaise-là est dû tout simplement au statut de l'UDPS qui n'ont pas été revus, parce que on n'a jamais prévu un président ad intérim. Il n'y a pas un article qui en parle, et puis il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut revoir dans ces statuts maintenant que le parti est au pouvoir. Lisons. Voilà, le malaise à l'UDPS concernant le compatriote brûlé ou les compatriotes brûlés. Beaucoup de compatriotes ont confondu le combattant de l'UDPS brûlé avec Augustin Kabouya. Oui, on peut s'y tromper, ils ont un peu de ressemblance. Ce n'est pas Augustin Kabouya. Vous pouvez voir sur la photo que le président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS aussi, Jean-Marc Kabunda Kabund, accompagné de son secrétaire général Augustin Kabouya, ont visité ce vendredi 13 mars les combattants brûlés lors des affrontements du jeudi dernier contre les anti-Kabund. Une manifestation de colère qui avait eu lieu tout juste après la mise à l'écart de Jacquemin Chabani, un ancien secrétaire général à la tête de la commission électorale du parti présidentiel. Alors, nous pouvons lire la suite. Ouais. Pour le camp Chabani, un président qui assume l'intérim n'a pas qualité de nommer ou exclure un cadre au sein du parti. Voilà. UDPS, après s'être retiré de la commission électorale, Jacquemin Chabani affirme que le parti est géré avec légèreté. Avant cette visite à l'hôpital, Kabound avait présidé une réunion d'urgence à la permanence de l'UDPS pour parler de la situation qui règne au sein du parti, légué par le feu Étienne Tshisekedi, tout juste avant une structure dénommée Sauvons UDPS, réunie en son sein. Jacquemin Chabani et Pierre Tshilumbu, Peter Kazadi ont donné un délai de 72 heures à Kabound pour quitter la tête du parti. Signalons par ailleurs que d'autres combattants qui ont manifesté contre Kabound et Kabouya ont été arrêtés par Jesse Mboma de interview.cd. Voilà, chers compatriotes, le malaise qui est à l'UDPS émane des statuts qui n'ont pas été respectés. Alors, il apparaît que il n'est pas prévu un président par intérim dans les statuts. Et le secrétaire général, les conditions dans lesquelles il a été nommé secrétaire général n'ont pas été respectées. Donc, pour trouver une solution, je pense que
l'UDPS devrait se réconcilier avec ses dissidents et puis revoir, revisiter les statuts de l'UDPS et compléter les failles. Tant que cela n'est pas fait, alors il y aura toujours un malaise. Et puis, il y a aussi, le malaise vient du fait que Augustin Kabouya ne fait pas ce que le président de la République lui demande. Quand il demande une liste de parlementaires debout qu'on peut former ou envoyer en formation, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va recruter dans son église, il s'en va recruter dans sa province d'origine, ou même territoire d'origine, Kabound fait la même chose, alors ils se sont révoltés, voilà, pour notre point de vue. Voilà, nous passons à une autre information qui nous intrigue, chers compatriotes. 1400 Burundais Bakoti Bazana, dans Nord Kivu, donc Bakote Laki, côté à Burundi, Bazaba Burundais. Voilà, 1400 majorités à Bango et Zabasi. Nenge Bozomana la photo, Anna. Donc, vraiment, Mawatro, période des Amabé, période des Aba ADF, s'infiltra Kandengoana, infiltré Mosus Bazaka Barwande, Yangoana, donc gouverneur Yanor Kivu à Lobby, bon, à cause de Sabango, la frontière, hein, parce que Sika Bazaliwana, les Amosika na frontière, problème, les Zouamaki na frontière, problème, Bakende de cause résoudre Yango na frontière. Donc, solution, les alliés, Bazong Sabango, na Burundi. Parce que, Bamonsou, Bazana, pièce d'identité, déjà expirée depuis un an. Voilà, chers compatriotes, c'est très, très mauvais en ce moment-ci d'accueillir ces réfugiés-là, qui, parmi lesquels certains ont fait nos malheurs, y compris même des femmes qui se déplaçaient avec des armes. Et des armes blanches aussi dans leur sac, dans leur bagage. Voilà pour notre point de vue. Regardez. Ok, chers compatriotes, nous allons lire une information de 7 sur 7.cd sur les réfugiés burundais qui ont débarqué chez nous, prétendument qu'ils fuient des exactions du gouvernement Nkurunziza. Voilà, je viens de perdre ça, c'était où encore? Attendez, peut-être par là. Oui, c'est là. C'est ça l'information, chers compatriotes. Nord Kivu, le gouvernement provincial envisage le renvoi de près de 1400 Burundais réfugiés à Goma. 7 sur 7.cd. Vous voyez, ça complique les choses, hein? Ils arrivent comme ça, en provenance du Burundi, et puis nous allons apprendre que c'est plutôt des Rwandais, mais comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont en majorité, il s'agit des femmes, des dames, sûrement qu'il y a des enfants, ouais, sûrement qu'il y a des enfants. Les hommes sont minoritaires, parce que je ne vois que des femmes ici. Voilà, lisons quand même cette information. Le gouvernement provincial du Nord Kivu envisage le renvoi de près de 1400 sujets burundais qui se sont réfugiés dans la ville de Goma depuis vendredi 13 mars dernier, fuyant
selon leur dire, des exactions du régime du président Pierre Nkurunziza. Pour le gouverneur du Nord-Kivu, la situation de ces Burundais est irrégulière, car la plupart possèdent des documents de circulation dans la région des Grands Lacs, qui sont invalides depuis plus d'un an et demandent l'asile alors qu'ils n'ont pas respecté les lois du pays. Quant à ceux, ce sont des adeptes d'une secte organisée au Burundi et malheureusement, ils sont sur notre sol et veulent obtenir l'asile, mais ils n'ont respecté aucune loi. S'ils veulent avoir le droit d'asile en RDC, ils n'avaient qu'à respecter la loi. Et comme nous sommes très loin de la frontière burundaise, nous pensons que leur situation devra être réglée par où ils sont entrés. Nous voudrions bien organiser leur renvoi au Sud Kivu et le Sud Kivu pourra prendre le relais, a dit Karline Zanzou Kasivita. Se considérant en insécurité dans leur pays, ces Burundais se sont réfugiés en RDC à la recherche de l'asile auprès du gouvernement congolais. D'après leur dire, ils fuient la persécution et l'insécurité politique causée par le parti au pouvoir, le CNDD, FDD du président Pierre Nkurunziza, qu'ils accusent d'utiliser la milice des Imbonera Kure pour les faire exécuter s'ils n'acceptent pas d'adhérer au parti précité. Par Glody Mourabazi à Goma. Ah bon, ils accusent le parti du président au pouvoir, Pierre Nkurunziza, de les faire adhérer à son parti, le CNDD, FDD, de force. Celui qui n'accepte pas est exécuté. Ça, c'est trop facile à dire, hein? Chers compatriotes, les malheurs des incursions des Rwandais nous ont rendus sages. Je pense que ces Burundais doivent retourner dans leur pays d'origine. Voilà, c'est notre point de vue, chers compatriotes. Parce qu'ils viennent comme ça et après nous allons apprendre qu'il y a des attaques, des ADF, etc., etc. Voilà, nous sommes dans une très mauvaise période pour les accueillir. Et il y en a parmi eux qui ont de vieilles cartes et d'autres cartes expirées. Voilà, notre point de vue. Demi-tour au Burundi. Voici maintenant un article paru dans les journaux sur l'arrestation des proches de Kabila, y compris Abed Achour, et l'audition de Kabila et de son frère Zoé par le Conseil national de sécurité. Voilà. Suivez, ces chers compatriotes. Donc, c'est la fin de l'impunité, mais bon, nous voulons voir le président Félix Tshisekedi se débarrasser de Kabila. Abed Achour arrêté. Les lots, si tout le monde dit Abed Achour en prison. Aboyi ba audité. Abed Achour, base moutoto matisabilo, les lots. Abed Achour, les lots en prison. Les lots, n'a dit Abed Achour en prison. Malobiboy. Abed Achour, interpellé et audité par l'ANEM. Le sujet libanais Abed Achour, directeur général du groupe Sotin en République démocratique du Congo, a été interpellé dans l'après-midi du 11 mars 2020 par le service ministère de l'économie. D'après une source digne de foi, vers 14 h, ce dernier aurait été déféré à l'Agence nationale de
des renseignements en elle pour y être audité. Il lui est reproché le refus de mettre à la disposition des inspecteurs de l'économie les structures de prix de son entreprise. Celle-ci aurait même menacé les inspecteurs ayant traité des dossiers à charge. Rappelons, Abel Lechou est depuis quelque temps le chouchou de musiciens congolais, un acteur majeur dans le financement des choux sur BS philanthrope en République Dominicaine du Congo. A commis Babouan Kakaye, Bayembe Lakaye, Baba musicien, Yango à lobby, service à Nera lobby, les lois avec des choux dans la prison. Ok, messieurs amis, tout ça continue. Kabila, Kabila est Zoé auditionné. C'est-à-dire, Kabila va interpeller qui est. Une espèce vivante. Kabila et Zoé, auditionné par le Conseil national de sécurité. Ok, Nazar politicien, merci. Yanzala. Sinon, il une espèce vivante. Par moment, on a totalisé 7 millions de vies. Il faut aller à la Moutouka. 7 millions de vies, c'est-à-dire, Bango va gagner. Bango va être patron. Va signaler lundi, voilà qu'elle sort, il a beau le succès à moi. Il est pas vivant. Il va gagner, il va gagner. 7 millions de vies. Monde mobile. Il faut pas tomber dans le chat. Il est pas vivant. Il y a un autre le vivant. Kabila et Zoé auditionné par le Conseil national de sécurité. Environ 1h20 minutes. À pour motif, trafic d'armes et haute trahison. Le déboulonnage en cours de téléchargement. Voilà, nous terminons ici par un bonus, c'est-à-dire. Le tout premier discours de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, à Kananga. Elle revenait de Mbujimayi, c'était le 8 mars. Elle a passé la nuit à Kananga, donc elle est revenue à Kinshasa le 9 mars. Donc c'était la journée mondiale de la femme. Nous allons l'écouter parce que, bon, c'est déjà passé, mais bon, on peut rappeler ça, parce que c'est la première fois qu'elle s'adressait publiquement de cette façon-là aux Kanangais. Voilà. Thank you.
Un message à vous rappeler le 8 mars et Nicolas Kisanini et Zavaka Fetite et Zali journée internationale de la femme, du droit de la femme, droit et voilà la juridique, droit na éducation, la santé, na makambunioso, moi si pe azana droit. Partager la bino, na outi na bougima, et pas la sengi bino olimisanga, et pas na retard. Ma cambrosa les a qui mingi, na ebi que vous allez mingi na seamboula, ou la qui singa bolingo, na la qui si pebino, na ebi si bino qui n'appelle la lingi bino. Ako zapino tamingi te, na ebi que vous allez la bandatongo, lobi pe mokolo. Première fois que le Conseil central reçoit une première dame depuis 1975, pour ex-président de la République. Et c'est une fierté pour nous. Alors, chers compatriotes, au revoir, Boutika Lamalamu, Benubika Lambote, Wandugwa Penzi, tout la Malisa, tout en a la Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benubika Lambote, et tout en a la Mbasi. Banabetu va suivre, Chalai Bip, ni tout mon âme. Chikondo chikwabu kufideo mkwabu. Ana lingo ambo shila hao.